Quand je suis venu à la tête de la commission en 2011, j'ai souhaité maintenir un dialogue permanent avec les partenaires pour recevoir aussi leurs conseils, recevoir aussi leurs critiques et aussi faire nos critiques aussi à l'endroit des partenaires et que ce dialogue fraternel puisse se nouer entre la commission et les partenaires pour que nous puissions avancer ensemble. L'objectif des partenaires, c'est toujours d'aider les populations à se prendre en charge pour un mieux-être aussi de leur vécu quotidien. C'est l'objectif que nous ont assigné aussi les chefs d'État à travers les décisions de la conférence des chefs d'État. Et c'est pourquoi nous avions donc institué ce dialogue. Et depuis lors, nous l'avons tenu. Et nous avons donc, à la veille de mon départ, j'avais voulu donc cette rencontre pour que nous puissions faire le point, pour que le collègue qui va venir aussi puisse aussi s'inscrire dans cette dynamique et travailler en étroite convergence avec les partenaires. Mais je suis globalement très satisfait. Regardez simplement ce que nous avons fait dans le cadre de l'énergie, par exemple. Nous avons pu réaliser beaucoup de choses dans l'énergie grâce à notre apport personnel, mais grâce aussi à l'apport des partenaires. Nous avons pu faire des économies d'énergie, nous avons pu dérouler notre programme, même si la première phase était sur ressources propres, sur les énergies renouvelables, par exemple, les lampadaires solaires que nous avons mis dans les différents pays. Nous avons eu aussi un programme très important, projet de 8000 points d'eau dans les différents pays. Nous avons réalisé plus de 3000 points d'eau aujourd'hui, grâce à l'apport aussi, non seulement de l'AFD dans la première phase, mais aussi de l'Union européenne. Si vous regardez aussi l'essence de notre objet, qui est également de la libre circulation des personnes et des biens, comme je le disais tout à l'heure lors de mon intervention, vous ne pouvez pas créer un espace uniforme aujourd'hui si vous n'avez pas les infrastructures d'interconnexion. Et l'infrastructure d'interconnexion le plus important, je pense, ce sont les routes. J'évoquais tout à l'heure le problème des importations de la CEDEAO, du seul Nigeria en direction du Brésil en ce qui concerne les poulets, donc l'aviculture. Si on avait des routes, de bonnes routes entre le Burkina Faso et aujourd'hui la Côte d'Ivoire, étant donné que nous sommes en train de faire la route entre la Côte d'Ivoire et Lagos, l'aviculteur burkinabé aujourd'hui aurait un potentiel extrêmement élevé pour exporter dans ce marché, parce que c'est son marché naturel de plus de 300 millions d'habitants. Donc ce sont ces contraintes qui font que on ne peut pas voir une économie très dynamique et la création d'emplois aussi qui va avec ne se fait pas automatiquement. C'est pourquoi nous avons perçu tout cela avec nos partenaires et nous avons aussi travaillé avec nos partenaires sur l'ouverture de ce grand corridor entre le Burkina Faso et Abidjan. Nous-mêmes, nous avons pris sur nous de dire que nous allons financer une bonne partie donc des études qui vont se faire. Et dès que nous ouvrons ce corridor, le corridor entre Lagos et Abidjan va se faire et il y aura encore plus de mouvements. Moi, je souhaite que nos jeunes aujourd'hui, les jeunes de notre région, croient en l'intégration, qu'ils sachent qu'ils peuvent aller n'importe où. L'essentiel, c'est qu'ils trouvent leur bonheur. Quand un jeune burkinabé veut s'installer à Abidjan, veut s'installer au Sénégal, veut s'installer partout dans notre région, c'est devenu son droit le plus absolu. Il ne faut pas qu'il y ait un recul sur cette question. Les jeunes doivent trouver et aller chercher les opportunités partout dans la sous-région. Un jeune Sénégalais doit pouvoir dire « Écoutez, je vais m'installer au Burkina Faso » parce qu'il trouve son bonheur ici. Et personne ne doit l'empêcher de le faire parce que ce sont des jeunes de la région. Je pense que c'est ça qui cimente la consolidation de l'amour qu'il doit y avoir entre les peuples et qui va même avoir un impact sur ce que nous voyons aujourd'hui, l'insécurité et autres que nous connaissons et qui constitue un frein pour le développement de nos pays. Et tout cela n'a pu se faire très sérieusement que grâce à l'apport de nos partenaires et en l'occurrence l'Union européenne, le premier partenaire de notre Union. Nous, partenaires techniques et financiers, nous avons dit, nous avons échangé sur les défis qui restent, la façon de relever les défis qui restent à relever. Et nous apprécions beaucoup
cette possibilité d'avoir des échanges assez précis. Alors, j'ai envie de dire de façon plus générale, pourquoi nous, partenaires techniques et financiers, nous sommes si convaincus par la nécessité de soutenir l'intégration régionale. Moi, en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne, je viens aussi d'une union qui a pu voir les bénéfices pour les populations européennes de l'intégration régionale. Si nous appuyons les processus d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, c'est parce que nous sommes convaincus, comme les chefs d'État de la région, que l'intégration économique et monétaire régionale est au bénéfice des populations. Comme l'a dit le président de l'UEMOA, l'entrepreneur, par exemple, du Burkina Faso, qui veut pouvoir exporter au-delà des frontières le produit qu'il transforme, agricole par exemple, d'abord dans les pays voisins, et peut-être ensuite au-delà, à travers les ports, dans le reste du monde, ça passe par tout un dispositif de normes, de taxes, de facilitation, d'appui à la compétitivité, aux infrastructures, aux échanges. Et donc c'est un travail de longue haleine que nous avons dit aujourd'hui au président de la commission de l'UEMOA, la commission de l'UEMOA, que nous étions déterminés pour continuer à accompagner ce processus.